Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la carrière Un coin de Bretagne. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bah moi ça va nickel. Bon bah alors pour ce nouvel épisode, ce qu'on va faire directement, là on va aller chercher une mélangeuse que j'ai achetée. Bon je vais vous expliquer du pourquoi et du comment que il n'y a pas eu d'épisode sur cette carrière pendant 2 semaines. Je vais vous expliquer pour ça. Bon autrement bah voilà. Comme je l'ai dit, là on va aller chercher la mélangeuse. Je vais déjà l'acheter avant. Bon, je suis ici, mais bon, comme on va acheter la mélangeuse, alors, hop, parce qu'on va acheter ça. Parce qu'autre comme ah oui, mais j'ai pas assez, c'est ça le problème. Bon, bah, au pire, ce qu'on va faire, on va faire un petit prêt. Hop, un prêt, où que c'est que c'est? Alors voilà, ah oui, en plus j'en avais déjà. J'ai déjà un prêt. Il nous faut 40 43 ou 42 000, je sais plus combien il faut. Ouais, bon, on aura un peu plus. Hop hop, alors hop, rembourser, voilà. On voit comme ça, on a remboursé un peu. On a déjà remboursé une petite partie qu'on avait emprunté. Comme ça on aura une mélangeuse, on sera beaucoup plus simple. Et bah, pour nourrir les moutons, comme ça sera beaucoup plus simple. Comme je dis, je suis comme j'ai plein de problèmes de pourquoi qu'il n'y a pas eu d'épisode. Voilà, alors là je suis venu chercher la mélangeuse puisque, comme je l'ai dit, sera plus simple, parce que au moins comme ça on pourra mettre des bottes de foin. Et bah pour leur donner aux moutons, au lieu de tout le temps ramasser l'herbe à l'autochargeuse et puis leur donner, je veux comme ça on pourra, je veux, comme on a des bottes de foin, on pourra aussi leur donner. Donc ça sera plus simple. Et puis bah voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi qu'il n'y a pas eu d'épisode. Alors il n'y a pas eu d'épisode parce que j'étais pas trop disponible pour les tournées et puis tout. Puis autrement, bah la semaine dernière j'étais prêt à le tourner et puis tout. En plus j'avais préparé la partie le week-end. J'avais tout préparé, plein de choses. J'ai tout préparé la partie. Et ce qui s'est passé, bah je sais pas, le mardi, je tourne les vidéos le mardi, je les ai plus le mercredi. J'ai voulu tourner cette guerre là, j'ai lancé la partie tranquille. Je lance la partie. Elle faisait que de mettre en cours de chargement pendant... partie en cours de chargement, au moins pendant je sais pas combien de temps. J'ai laissé la partie au moins 1 heure ou 2 heures. Comme ça, mais ça... j'étais obligé de laisser. J'ai enlevé les mods, j'ai désinstallé le jeu, j'ai essayé plein de trucs. C'était toujours la même chose. Ça me faisait encore toujours le bug. C'est que je veux dire, j'ai dû recommencer la partie. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, parce que j'ai dû tout repréparer. Ce que j'ai fait, je me suis pas emmerdé. Pour les bottes, comme vous le voyez, on n'est plus en botte ronde, on est en botte carrée. Parce que j'ai pas voulu refaucher des champs et puis tout. Pour plutôt aller assez vite, j'ai dit je vais acheter des bottes. Parce qu'il y a un mode qui existe pour acheter les bottes, si vous savez pas. Alors j'ai acheté les bottes, j'ai acheté des bottes carrées. Mais bon. C'est quand ils veulent que les bottes pourront se piquer. Super. Alors, le bug. Alors, c'est quoi tu veux? D'accord. C'est quoi tu veux que vous pourrez vous prendre les bottes? Hop. Bon, d'accord, j'ai un bug, je sais pas pourquoi. Alors, comment on fait? Alt H, non, Ctrl H. Alors, je me souviens jamais comment on remet l'affichage. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Alors. Ah mais j'ai un problème avec mes pics, j'arrive plus à choper de bottes.
D'accord, je pouvais très bien avoir chopé des bottes, mais je sais pas, j'arrive plus à en choper. Voilà, je sais pas, je sais pas ce que j'avais un problème, est-ce que je sais pas si c'est la touche de... D'accord. Je sais pas si c'est la touche de mon joystick qui fonctionne pas, ou bah si c'est ou si ou bah si c'était un bug. Voilà de pourquoi comme je vous l'ai expliqué, de pourquoi j'avais qui avait pas eu d'épisode. Ah, si, ça fonctionne, mais je sais pas, il y a des gros problèmes des fois. Voilà, pour ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode, bah, pendant un petit moment bah, sur cette carrière. J'étais, ça me faisait même chier au bout d'un, bah quand j'ai vu que la partie avait planté, ça me faisait quand même chier de la recommencer. Alors que j'ai dit, je sais pas, je recommence pas. C'est que se dire, j'ai pris au moins, j'ai quand même pris une décision. J'ai dit, comme la carrière vous plaît plutôt bien, et en plus j'ai vu que la carrière vous avez, elle vous plaît énormément, parce qu'à chaque fois il y a presque 100, 170 vues, 200 vues. C'est que je vois vraiment que la guerre plaît. C'est pour ça, c'est que bah, j'ai décidé de continuer. Et puis bah voilà. Voilà, c'est pour ça, parce que quand moi j'ai vu que la guerre avait planté, ça m'a bah, pas mal bah, démotivé de retourner dessus. Et puis tout. Ça me saoulait quand même bah, pas mal, qu'en plus les joueurs que j'avais fait, maintenant il me restera plus qu'à tout refaire. Les champs qu'on avait moissonné le dernier coup, il me restera plus qu'à les moissonner. Mais bon, ça devrait aller très vite maintenant. Voilà, ça devrait aller très vite. Mais bon, comme bon après ce que j'ai préparé la partie, mais bon, j'ai remis le même matos qu'on avait avant, le même argent, puis tout, comme vous voyez. J'ai tout remis, sauf les bottes. Non, mais j'ai déchargé ça avec un plateau. Et puis, bah voilà. Autrement, si je vous ai pas dit, mais c'est quand j'avais préparé la partie, le dernier coup, je comptais faire du semi. Alors, j'avais acheté un semoir, et puis tout. Puisque j'avais vendu de la laine. Pour pouvoir m'acheter le semoir, bah, le combiner à l'avant et puis à la réserve, bah, comme vous le voyez, qui est ici. Je m'étais acheté ça bah, quand voilà, moi bon, c'est bon, ça donne, mais bon, ça donne pas du mauvais côté. Ça donne bah, du mauvais côté. Comme ça, on va nourrir les moutons. Comme je l'ai dit, j'avais acheté un semoir et puis une trémie à l'avant, et bah pour tourner la vidéo qui devait sortir il y a une semaine, mais comme la partie avait crash, bah j'avais plus ça, parce que j'avais en plus j'avais vendu de la laine, j'avais pas mal de moutons en plus à ce moment-là. Je crois que j'avais, je sais plus combien j'avais de moutons, mais ça avait bah, pas mal augmenté et puis tout. C'est-à-dire bah j'avais perdu quand même bah, tout ça, ça m'avait fait pas mal chier. Alors on va regarder juste où c'est qu'ils en sont. Ouais, allez, ils sont presque pleins. Propreté. Productivité 10%, laine 12. Ce qu'on va faire maintenant, au pire bah, dans cet épisode, ce qu'on va faire, on va farmer bah, pour vendre de la laine. On va faire ça, on va farmer pas mal. Je vais laisser ça de côté. Je vais laisser ça là. Voilà, hop. Et puis au pire dans le prochain épisode, on ira semer des champs que j'aurai hop, on va accélérer le temps, et ben bah, que j'aurai moissonné. Voilà, bah, comme vous le voyez. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose.
C'est bon, j'ai déjà fait pas mal de laine comme vous le voyez. J'ai nourri les animaux, j'ai donné de l'herbe et puis tout. Là, ce qu'on va faire, on va vite faire recharger une mélangeuse. Là, déjà, on a déjà 1, 2, 4, 6, 8 palettes de laine, pour en avoir un peu plus. Mais là, comme vous l'avez vu, les accélérer, là, j'ai dû mettre tout l'état de déchets d'herbe parce que le créateur de la map il a pas mis le trigger pour les déchets. Se dire ça fait complètement bugger. Se dire je peux pas comme vous l'avez vu je peux pas y mettre dans la même mélangeuse ni leur redonner. Dire ça c'est pas mal chiant. Je sais pas comment je vais faire, je vais être obligé de faire des tas ici, mais après je sais pas ce que je vais en faire. C'est pour ça fait quand même pas mal chier. Mais bon, après, faudrait que j'essaye de remodifier la map. Mais après, en remodifiant la map, faudrait recommencer une sauvegarde. Et comme j'ai pas envie de re-recommencer une sauvegarde, donc j'en ai déjà recommencé une. C'est pour ça. Bon, alors, hop, on va prendre les bottes de. Mince, les pneus. On va prendre les bottes de foin avec ça. Faudrait juste qu'il y ait un peu plus d'espace. On va décaler ça. Avec le croco, on va dire que, on va dire quoi, on n'a rien vu, qu'il s'est rien passé, et puis voilà. Bon, ah oui, mince, il y a ces pics à la con là qui vont faire chier. Ouais, mais ça, heureusement qu'on a un télescope qu'on puisse déployer le bras pour pouvoir les prendre. Voilà. Comme vous le voyez aussi, là, le temps de foin commence à pas mal diminuer. Bon, j'avais mis un chariot de bottes de foin, mais là ça diminue pas mal. Hop, hop, alors. Tac. Voilà. Hop. Ça c'est plein, on n'en parle plus. Ce que je vais faire, je vais directement donner ça. Puis après, on donnera un peu d'eau. Puis aussi, comme vous le voyez, l'argent a beaucoup diminué. Aussi avec le frais des véhicules, le frais des matériels, des matériaux, vrais véhicules, vrais matériaux. Il y a quoi d'autre? Mais il y a un truc qui bloque, on croirait. C'est mon, je sais ce que c'est. C'est mon volant qui était. On va mettre les feux, au moins on va les allumer. J'avais mon volant qui foutait un peu la merde. Mais c'est bon. Alors le frais des matériaux, comme je l'ai dit, vous allez regarder. C'est où? C'est où? Tac. Ici là j'ai l'achat, mais après là il y a toutes les frais, puis tout, il y a pas mal de choses, mais c'est pas là. Voilà, ah voilà, c'est ici. Comme vous le voyez, le dimanche on a payé 3271, puis tout, plus on augmente plus on paye, ça fait pas mal de frais, puis tout. Puis en plus on n'a pas récolté grand chose, mais bon, on est à quand même à Et quand même à moins 85 000. Bon, on va accélérer au pire un peu le temps, comme ça on va donner la mélangeuse entière. Là. Voilà, comme ça on est tranquille. On pourra en refaire une. Donc c'est qu'on en est. On est sûrement plein. J'ai pas regardé, mais c'est sûr. Hop. On va maintenant éteindre les feux. On les allume et après on les rééteint après. C'est ça qui est un peu con. Hop. Alors. On va recompléter une mélangeuse, mais qu'on redonnera tout à l'heure. Je donnerai ça tout à l'heure. Au moins comme ça. Hop. Tac, comme ça, elle sera déjà faite. Et puis, voilà, je vais donner de l'eau. Puis après, ce qu'on fera, au pire, là, je vais remplir ça après. On va donner de l'eau tout de suite. Comme ça, vous allez. J'ai déjà donné de l'eau tout à l'heure, mais comme ça, je vais les refaire. Hop. C'est quoi tu veux que tu as donné l'eau? Faut bouger juste un tout petit peu. Alors c'était là. Alors pour 107 moutons déjà, comme vous le voyez, taux de reproduction 8 heures, prochain animal dans 7 heures. Voilà, bon voilà, ça on augmente pas mal. Et au niveau mouton c'est plutôt bien, on avance vite et on avance très très vite. Je vais aller chercher de l'eau, et puis voilà, je vais continuer de produire encore de la laine et on se retrouve dès que la laine est reproduite. À tout à l'heure.
j'ai produit, je veux dire, est-ce que j'ai produit et bah pas mal de. Pourquoi, voilà. J'ai produit et bah pas mal de laine. Comme vous. Je vais vous le montrer. J'ai usé tout mon stock de foin. Il me reste deux bottes, je crois. Ouais, allez, trois bottes, il me reste. Je veux dire, on va arrêter là. Pour cet épisode, je veux dire, arrêter là, de produire de la laine. Et bah comme vous le voyez là on en a un bon stock, je sais pas combien on a de palettes de laine mais on en a plus 6 là, je vous le dis qu'on en a pas mal pas mal. Alors hop, ces tracteurs, c'est quoi tu veux, toi t'éteins, toi on va t'éteindre, ce qu'on va faire, on va laisser ça ouvert, on va pousser tout ça là-bas, hop, hop, juste se remettre l'affichage au moins. Hop, on va pousser tout ça. Tac. Tac. On va repousser tout ça. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va aller vendre ça. Mais avant de vendre ça, on va prendre le gros tracteur. Parce que l'autre tracteur, il accroche après la mélangeuse et l'autre après la tonne, comme vous l'avez vu. On va prendre le plateau vite fait. On pourrait presque tout charger. Avec un plateau autoload, mais je crois bien que celui-là il est peut-être autoload, je sais pas du tout, je crois. Si l'autoload ça serait vachement bien, ça nous arrangerait. Activer le mode travail X. X. C'est bien ça, hop. Est-ce qu'il charge les palettes de laine, ça c'est pas sûr encore. Donc on va reculer là-dedans avec le plateau. Ce serait bien que ça les charge. Bon bah non, il charge pas les palettes. Alors ce qu'on va être obligé de faire, on va être obligé de charger ça à la main. Ce que je veux faire, je vais en charger. Ce que je fais, je charge les palettes de laine et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà les amis, c'est bon, après avoir tout chargé, les palettes de laine, comme vous le voyez, tout est sur le plateau, toutes les palettes seront sur le plateau. Je vous ai fait un accéléré en vous montrant ça. Mais bon, après, ce que j'ai pas tout filmé, j'ai filmé la première partie, puis autrement, après j'ai tout rechargé. Et puis voilà, comme vous le voyez, tout est sur le plateau. Ce qu'on va faire, on va pas aller vendre ça dans cet épisode-ci. Ça me fait chier moi aussi de pas aller vendre ça là-dedans. Vous aussi je pense qu'on a pas mal fait pas mal de et bah de on a produit pas mal de de laine. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mes mots.
C'est-à-dire on ira vider ça dans le prochain épisode, que je sais pas combien de minutes de vidéo on est entre 15 minutes, je pense, à peu près, on est peut-être à peu près à 15 minutes, je sais pas du tout encore, mais je pense qu'on va peut-être pas retarder d'y être, ou peut-être 20 minutes, je sais pas. C'est que je veux dire, comme je vous l'ai dit, on ira vider ça dans le prochain épisode, au tout début du prochain épisode. On ira vider ça. Je pense que ça va rapporter pas mal. On est à moins de 100 000. J'espère que ça va nous rembourser la dette qu'on a. Et puis, voilà. Bon, autrement, moi les amis, je vous dis, n'hésitez pas à partager la vidéo. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mettre un like. Puis autrement, moi les amis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.